Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Lokis, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc tout simplement pour la présentation du nouveau mode de jeu de Fortnite, donc le Battle Royale, donc qui est maintenant arrivé donc sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Donc ce qui est très intéressant sur ce nouveau mode de jeu, donc de ce jeu, c'est tout simplement que lui déjà il est totalement gratuit et qui est disponible sur les plateformes de console et non pas sur PC comme Battleground. Donc à savoir que Battleground est disponible que sur PC et qui lui est payant. Donc c'est vraiment là la bonne nouvelle, c'est qu'il soit vraiment gratuit. Et vu que c'est un peu le même mode de jeu que Battleground tout simplement. Et bah ce qui est très intéressant, c'est que lui est fait en mode arcade, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait pareil que Battleground. Enfin bref, je vais vous laisser découvrir sur le gameplay. Moi je vais faire juste une petite ellipse et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Ok, donc c'est parti, on se retrouve dans la game, donc let's go. Donc alors, où c'est qu'on va atterrir? C'est bien sûr ce qu'on va essayer de regarder. Donc pour moi, je pense que je vais aller là à Retirov. Ça a l'air d'être pas mal. Ok, donc je vais mettre un point ici. Voilà. Ok, c'est super. Donc j'ai mis un point où je devais atterrir, mais je pense pas que ça ait marché. Si ça a marché, alors attendez. Il faut que j'aille à gauche. Ok, c'est maintenant. C'est ici. Donc, alors, donc cette partie, moi, je la sens bien. Je la sens bien. Pourquoi je la sens bien? Parce que ça fait déjà 3 à 4 parties que je foire, donc pour le gameplay, pour l'honneur de vos yeux déjà. Et moi, celle-là, moi, je dis que c'est la bonne. Donc, on va déployer notre parachute pour pouvoir atterrir en toute douceur. Allez, go! Donc comme vous pouvez le voir, la fluidité du gameplay, surtout les graphismes qui sont vraiment on n'a vraiment rien à dire dessus. Franchement, pour un jeu gratuit, chapeau les développeurs. Donc hop, on a récupéré une arme. Ok, c'est parti. Donc la pierre, hein, même si je vais pas m'en servir, je préfère la prendre, ça peut toujours servir. Ouais, on sait jamais, qui sait. Alors, de la vie, du bandage, ça c'est obligatoire. Hop, des munitions. Alors, que je fasse gaffe quand même. Est-ce que je fais. Donc, ok, donc je crois que là j'ai fouillé tout le bas. Alors cette arme au coup par coup, c'est pas la meilleure. Alors pourquoi c'est pas la meilleure? Je l'ai vu, il est monté en haut. Ok. Donc première victime, c'est bon. Alors en plus on a un coffre, donc là ça fait plaisir. Ok, donc on va tout de suite fouiller le coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Donc, on a un kit de survie que je vais changer avec la grenade, le bois, ok. J'aimerais bien prendre les munitions, quand même. Ok. Donc, j'ai pris les munitions. Semi-automatique, je pense que c'est le même. Moi, je préfère celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ce qu'il faut, c'est bien regarder derrière soi, parce que là, ça arrive de tous les côtés. Hein. C'est vraiment... C'est la difficulté du jeu. Et aussi... Oula, je me fais tirer dessus alors que je regarde autre chose. Je regarde autre chose. Je regarde autre chose. Eh ouais, je regarde autre chose. Enfin bref, ça, c'est de ma faute. Donc, on va tout de suite relancer une partie. Il n'y a pas de problème. Donc, on va relancer une partie. C'est parti.
Ok, donc c'est reparti, j'ai relancé une nouvelle game et j'espère que cette fois-ci on va vraiment pouvoir faire une très très bonne partie. En tout cas, je vais essayer de rester un peu sur mes gardes parce que j'ai repéré que j'étais vraiment pas assez à regarder dans mon entourage. Donc voilà pourquoi je démarre jamais, pourquoi je saute jamais en premier, parce que voilà, il y a toujours une soixantaine de personnes qui jettent directement. Alors pourquoi? J'en ai aucune idée. Alors pour l'instant, je vais regarder où c'est que je vais atterrir. Je pense que je vais me lancer là et je vais m'aventurer ici. Ok. Ok, donc là on a l'air d'être bien parti. Je vais arriver pile là où je voulais aller. Attendez. Il m'a l'air d'avoir un peu plus de choses. Ouais non je vais prendre mon premier instinct, donc je vais atterrir ici. Donc j'ai un autre pas coéquipier, mais j'ai un ennemi qui est vraiment pas loin, donc qui a décidé de venir me casser les couilles entre autres dès le début. Bon, c'est pas grave, peut-être que c'est moi qui vais lui casser les couilles. Donc alors c'est parti. Donc là l'objectif principal c'est de trouver les toilettes, et donc je les ai trouvées. Non, je rigole, c'est de trouver surtout des armes. On va essayer de trouver des armes. Donc pour l'instant, j'ai trouvé des bandages. On referme les portes derrière hein, pour être discret. Ok. Enfin, quand ça veut bien marcher, donc là, hop, c'est la sortie. Donc là, il n'y a rien. Donc là, ok, j'ai trouvé un petit fusil. Et là, le coffre qui fait plaisir. Ok, le coffre qui fait vraiment plaisir. Pistolet, mitraillette. Le bouclier que je vais activer tout de suite. Vraiment indispensable hein, dans des parties comme ça. Et le pieur, non. Moi, je ramasse pas. Alors, ici, sortie. On va monter à l'étage. Bandage, pareil. Très important pour la suite du combat. Alors, des munitions. Je vais pas négliger un pistolet automatique. Alors, attendez, j'ai vu quelqu'un là-haut. J'ai vu quelqu'un, mais je suis un peu trop loin avec cette arme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la rusher. On va essayer de la rusher. Ok, donc là il y a un problème de porte ici par contre. Donc de toute façon j'avais fait le bâtiment. J'ai pas trouvé grand chose. Donc on va essayer d'être un peu plus chanceux dans celui-ci. Alors attendez. Ici pas de coffre ni d'armes. Pareil, on monte à l'étage. Ok, donc là j'ai quand même eu la peur de ma vie. En plus, c'était un gars qui était déjà bien armé, hein, j'ai envie de dire. Alors, je vais lui prendre cette arme là. Les munitions, ça c'est sûr. Je vais changer ça contre ça. Semi-automatique. Alors, attendez, parce que celle-ci elle a plus de balles. Ok. Ça c'est bon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre je vais recharger un peu ma vie. Donc c'est là où les soins ils sont très importants, parce que là j'ai plus de bouclier, il me reste 1%, il m'a vraiment fait mal. Heureusement que j'ai 14 bandages encore et je vais pouvoir me réanimer hein. Pouvoir me réanimer un maximum. Ok, donc 61%. On continue au maximum, on temporise, et donc ok, donc je peux pas être supérieur à 75. Non, bandage, fusil à pompe, ça peut toujours servir. Ok, et la mitraillette, j'aimerais récupérer ça.
Et je vais changer quand même mon fusil à pompe contre lui. Je vais changer mon fusil à pompe contre lui. Ok, voilà. C'est bon. Donc là, c'est bon. On peut... Oh, j'ai pris une arme qui avait plus de balles. J'ai pris une arme qui avait plus de balles. Enfin bon, bref, c'est la fin du gameplay. Donc moi, je vous laisse sur ces images. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.